إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حي الله هذه الوجوه النيرة، هذه القلوب المؤمنة، وبارك الله جمعكم، وبارك الله لقاءكم، وبارك الله إقبالكم على طلب العلم. وبهذه المناسبة إخواني، ونحن لنا مدة طويلة ونحن ننتظرها في مدينة بونتواز، ونسأل الله العلي القدير أن تكون هذه الأولى ولا تكون الآخرة، نبدأ افتتاح هذه الدورة العلمية التي استدعينا لها بعض إخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتهم، وإن كان وقتهم ضيق، وقتهم في بعض الحالات لا يسمح بحضورهم، ولكن يسر الله لنا أن أوجدهم بيننا. والشكر كذلك موصول بعد الله جل وعلا لأهل هذا المسجد، جمعية وأعضاء جمعية وأهل الحي والشباب الذين جزاهم الله خير يقومون بإدارة هذه الدورة، بما يتعلق بمحطة السيارات، ما يتعلق بدخول الخروج، ما يتعلق بما تحتاج إليه هذه الساعات التي سنقضيها مع بعض. فمن باب النصيحة أقول لإخواني، بالنسبة للتسجيل الأفضل أن لا تسجلوا، لأن الحمد لله إدارة المسجد ستسجل وتضع هذا على النت، لأن كثرة التسجيل حط التليفون هنا بدل غير، هذا يؤذي. النقطة الثانية، أذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلا نطلق العنان للسؤالات وكثرة السؤالات، لأنها قد لا تجدي نفعا إلا إذا كان سؤال فيما يتعلق بأمر مهم فقهي أو ما شابه ذلك. لعل هذا ما يحضرني الآن نستفتح محاضرنا، يكون الأخ عباس أبو الليث، وهو بيننا، يبدأ محاضرة إن شاء الله الآن من حتى صلاة الظهر، والدرس يتعلق بحقوق الله على العباد. أنا لن أترجم كل الكلام نظرا لضيق الوقت. Je prends deux mots en français. Je ne vais pas tout traduire étant donné que il faut qu'on commence et on est en retard. Je dis donc qu'Allah vous bénit, hommes et femmes qui sont si présents aujourd'hui ici, à qui Allah a facilité la présence, étant donné c'est lui qui prend le chemin pour chercher le savoir. Allah lui facilite le chemin d'accéder au paradis. Le remerciement aussi doit être adressé après Allah subhanahu wa ta'ala aux frères et à l'association et aux gens de la mosquée et aux habitants de Pontoise qui, alhamdoulilah, prennent en charge هذه الدورة. À nos frères aussi qui sont dehors, qui sont occupés de tout ce qui est parking et voiture et rentrée et sortie et sécurité. D'autre part, j'insiste et je conseille qu'il ne faut pas s'en occuper de l'enregistrement et que chacun se précipite en installant son appareil pour enregistrer. Alhamdulillah, yani le service de la mosquée va s'en occuper, va enregistrer هذه الدورة du premier dars jusqu'au dernier dars qui aura lieu demain soir inshallah, et après il va être propagé par internet. Celui qui veut accéder, il peut le trouver là-bas, et ça c'est pour vous faciliter. Léane, tu vas t'en occuper de ton enregistrement, tu perds ne serait-ce que 2 ou 3 minutes et c'est perturbant. Aussi, je finis par dire, on est là pour apprendre, et donc il dit on est là pour apprendre. Il ne faut pas perturber ou se perturber les conférences et le temps et l'heure qu'on a avec
des questions et des questions et des questions, car des fois des questions ça ne servent à rien. Certes, sauf une question qui est primordiale pour quelqu'un en privé qu'elle en a besoin, et celle-là on dira le bienvenu. Donc la conférence ça commence par notre frère Abbas Abu Layth. La conférence concerne le droit d'Allah, partie 1. Ce qu'il veut dire, il y a aussi partie 2, inshallah. Je ne sais pas, le moment venu, on vous le signalera. 15h15 aujourd'hui. C'est bien ça. Donc il y a aussi partie 2, 15h15. Là, il est midi 5. Donc je veux me satisfaire de ce que je viens de dire. Je vous souhaite le bienvenu et que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à nous tous d'en profiter un maximum et d'acquérir le maximum de savoir qui va causer notre rapprochement d'Allah jalla wa ala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa liyatafaddal akhuna mashkur. Fika barakallah. Kisra, kif halak? Khair? Allah yakfik. Tafaddal khair. Alhamdulillah. C'est quoi ça? Non, ça c'est une note interne. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فموضوع هذه المحاضرة هو حق الله على العباد فنتساءل أولا ما هو حق الله على العباد ونجد بفضل الله سبحانه وتعالى الجواب بينا واضحا في الوحي في الكتاب والسنة فأولا في قوله سبحانه وتعالى في آية سماها العلماء آية الحقوق لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حق العباد ولكن قدم هذه الحقوق بحقه سبحانه وتعالى إشارة إلى أن حقه هو أعظم الحقوق فقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إذن قدم حقه سبحانه وتعالى وما هو هذا الحق قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فحقه عز وجل أن نعبده ولكن هل المطلوب هو العبادة المجردة أم عبادة مقيدة بالإخلاص والتوحيد بمعنى هل يكفي للإنسان ليؤدي حق الله أن يعبده وإن كان يشرك به في عبادته طبعا الجواب لا لأن الله عز وجل لما أمرنا بعبادته نهانا عن الشرك به أي في عبادته نهانا أن نشرك به في عبادته أن نعبد معه آلهة أخرى فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لم يكتفي بالأمر بالعبادة ولكن قال واعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئا. والجواب موجود كذلك في السنة في حديث معاذ بن جبل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال: ما هو حق الله على العباد؟ أن يعبدوه، العبادة، ولا يشركوا به شيئا، يعني في هذه العبادة فيعبدونه ويخلصون له الدين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الحق يعني ما هو الواجب. إذا قلنا حق الله على العباد نقصد بذلك ما هو الواجب على العباد نحو ربهم. فهذا الواجب هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا موجود بكثرة في القرآن كما سمعنا في سورة البينة وفي سورة النساء، بل هو أول أمر جاء في القرآن. في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون ماذا؟ كل ما سبق في الآية، يعني أنتم يا بني آدم تعلمون أن الله خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وتعلمون أنه هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تعلمون هذه الأشياء. فمن هذا المنطلق كيف لا تعبدونه، أو كيف تعبدونه وتعبدون معه آلهة أخرى لا تضركم ولا تنفعكم ولا تملك لا حياة ولا موتا ولا نشورا ولا رزقا ولا شفاء ولا غير ذلك من حاجاتكم. إذن هو أول أمر جاء في القرآن، الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو مهمة الأنبياء، الذي يقرأ قصص الأنبياء الموجودة في القرآن يجد أن أول شيء دعا إليه الأنبياء هو هذا التوحيد، العبادة، يعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الأنبياء أول ما دعوا إليه دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. وكذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما قام للدعوة قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني أمرهم أن يعبدوا الله ويخلصوا له الدين ويتركوا آلهتهم الباطلة ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يدعو إلا الله ولا يسجد إلا لله ولا يرجون إلا في الله ولا يرجون قضاء حاجاتهم إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما دعا إليه، وهذا ما بنى عليه رسالته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا يعني إنه أول أمر في القرآن، وهو حق الله على العباد، وهو أول ما دعا إليه الأنبياء، وكذلك هي وظيفة الإنسان في هذه الحياة، يعني هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل فطرهم على قبول هذا المبدأ العبادة والتوحيد، فطرة الله التي خلق الناس عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني كل مولود مفطور على أن يقبل هذه العقيدة،
وهذا التوحيد وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإذا فهمنا أن حق الله على العباد هو العبادة نتساءل ثانيا ما معنى العبادة؟ ما هذا الذي يجب أن لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى؟ وللجواب عن هذا السؤال نقرأ إن شاء الله تعالى من كتاب الجامع لعبادة الله وحده للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرح الشيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى. Donc le sujet de la conférence c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement on se pose la question, quel est le droit d'Allah? Ce qui veut dire, quel est le devoir des créatures envers leur créateur subhanahu wa ta'ala? Et cette réponse elle est simple à trouver. On la trouve de façon très simple dans la révélation d'Allah, dans le Coran et dans la Sunna. Premièrement dans le Coran, dans Sourate An-Nisa, dans un verset que certains savants ont nommé le verset des droits. Le verset qui commence par « et adorer Allah et ne lui associer rien ». Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a cité les droits des créatures. Mais il a mis en premier son droit, pour montrer que son droit est le plus grand des droits, et que son droit passe en priorité. Donc il a dit adorez Allah et ne lui associez rien, et soyez bons envers les pères et les mères, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ, c'est-à-dire ensuite il a cité la bienfaisance envers les proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs, jusqu'à la fin du verset. Donc pour montrer que dans ce verset où Allah a cité les droits, il a mis son droit subhanahu wa ta'ala en premier. Quel est ce droit? وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, c'est-à-dire adorer Allah et ne lui associer rien. Voilà le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la réponse à notre question. Et on observe aussi qu'Allah azza wa jalla n'a pas simplement ordonné de l'adorer, mais il a en même temps interdit de lui associer quoi que ce soit. Ce qui montre que ce droit d'Allah et ce qui est demandé des êtres humains, ce n'est pas la simple adoration d'Allah. C'est l'adoration d'Allah qui est conditionnée par l'unicité, ou dit plutôt par l'exclusivité du culte pour Allah, ou alors dit si tu veux par le monothéisme, c'est-à-dire que cette adoration doit être vouée exclusivement et dirigée exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette adoration là dont on parle ici, puisqu'Allah ici n'a pas simplement dit adorer Allah, mais il a dit adorer Allah et ne lui associer rien. Donc voilà le droit d'Allah, c'est le tawhid, c'est-à-dire de l'adorer et de ne pas adorer quelqu'un d'autre en même temps qu'on l'adore. Et donc cette réponse on la retrouve aussi dans la sunna, dans un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, dans le hadith de Mu'adh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal radiallahu an, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs ou sur ses créatures? Et il a répondu, Allah et son messager savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré en disant, le droit d'Allah sur ses créatures, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Donc ce hadith confirme ce qu'on a compris du verset de Sourate An-Nisa. Et on peut rajouter que cette adoration exclusive, ou alors ce tawhid, ce monothéisme, c'est le droit d'Allah. Et c'est également le premier ordre qui est cité dans le Coran. Dans Sourate Al-Baqarah, quand vous la lisez depuis le début, le premier ordre à l'impératif que vous trouvez, c'est le verset qui dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, qui vous a créé ainsi que ceux d'avant, afin que vous atteigniez la piété. Ensuite il dit Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, celui qui a fait pour vous de la terre un lit, wasama abina'an, et qui a fait pour vous du ciel une construction, wa anzala lakum minas sama'i ma'an, et qui a fait descendre pour vous du ciel de l'eau, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, par laquelle il a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous. Et à la fin du verset, qu'est-ce qu'il nous a dit? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Donc ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez.
alors que vous savez quoi? Tout ce qui a précédé dans le verset. C'est-à-dire, vous savez, vous les êtres humains, qu'Allah c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a créé ceux qui vous ont précédé, c'est lui qui a fait de la terre pour vous un lit, qui a fait pour vous descendre l'eau du ciel, et qui par cette eau a fait sortir de la subsistance, tout ce qui a été cité dans ce verset. N'associez pas à Allah et ne vouez pas à autre qu'Allah de l'adoration, alors que vous savez que c'est lui seul qui vous a créé, qui vous a fait descendre votre subsistance, qui a préparé la terre pour vous, etc. Donc c'est le premier ordre. Et on voit, comme dans Sourate An-Nisa, que cet ordre d'adorer Allah, il est accompagné de l'interdiction du shirk, de lui associer quoi que ce soit dans cette adoration. Puisque le début du verset commence par Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et il finit par Fala taj'alou lillahi antadan, ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez. Donc on voit non seulement l'ordre d'adorer Allah, mais pas un ordre qui est déclaré sans condition. Simplement d'adorer Allah, car une personne pourrait adorer Allah mais lui associer dans cette adoration. Donc il a à la fois ordonné de l'adorer et il a également interdit de lui associer dans cette adoration, c'est-à-dire de vouer quoi que ce soit comme adoration à autre que lui subhanahu wa ta'ala, parce que c'est son droit et c'est le plus grand des droits comme on l'a vu. Donc c'est le premier ordre qui est cité dans le Coran. On peut rajouter aussi, pour montrer son importance, c'est également la base et la priorité dans le message des messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Donc à titre d'exemple, on le voit beaucoup dans le Coran, quand par exemple Allah nous a parlé de Hud, hein, et à Ad nous avons envoyé leur frère Hud, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Donc la première chose à laquelle il les a appelés, c'était ce message. Pareil avec Salih, وإلى ثمود أخاهم صالح. Et à Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Donc ça, ce sont des exemples de différents prophètes. Mais sinon, on a également le verset qui est général et qui nous dit wama wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Donc un verset qui englobe tous les messagers et qui dit nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire aux gens adorez Allah et écartez-vous du taghut, c'est-à-dire des idoles, des fausses divinités et des choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que c'est la priorité et le message de base dans le message de chaque prophète et chaque messager. Et de même pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première chose qu'il a dit à Quraysh quand il s'est dressé dans sa da'wah, c'est de dire ô vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et eux avaient compris ce que voulait dire la ilaha illallah, c'est-à-dire que ça impliquait de délaisser leur divinité. Comme il est dit dans le Coran, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités, c'est-à-dire de toutes les choses qu'on doit adorer, une seule? Ça finit par le fait qu'on doit en adorer qu'une. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Voilà quelque chose d'étonnant. Donc ils avaient compris son message. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont renié pour beaucoup d'entre eux. Parce qu'ils ont compris que son message impliquait de délaisser l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même, ça j'ai oublié de le dire en arabe, mais c'est même la chose à laquelle envoyaient les messagers du messager, à laquelle appelaient, pardon, les envoyés de l'envoyé d'Allah. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, donc tout ça, tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant, vous le retrouvez dans l'introduction de Kitab al-Tawhid, sur des paroles très connues. Le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, quand il a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad au Yémen, et ce en l'an 10, à peine un an avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Innaka ta'ti qawman ahla kitabin, donc tu te diriges vers des gens du livre. Entre parenthèses, pourquoi il leur dit tu te diriges vers des gens du livre? Parce que ad-da'wa takunu ala basira, la da'wa se fait avec clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est pas seulement la science,
C'est la science, mais c'est également le fait d'être clairvoyant vis-à-vis de qui tu es en train d'appeler. Donc, on a un exemple pratique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé Mu'ad et l'a préparé en lui disant « Tu te diriges vers des gens du livre ». Parce que dans la péninsule arabique, les gens du livre étaient en minorité. Donc les musulmans étaient le plus souvent confrontés à des mushrikins, c'est-à-dire des adorateurs d'idoles, à qui il restait quelques restes de la religion d'Ibrahim, c'est-à-dire ni des juifs ni des chrétiens. Et le fait d'aller se confronter à des juifs et des chrétiens dans la da'wa va demander de Mu'ad d'avoir des arguments et va le faire confronter à des arguments autres que ceux auxquels il est habitué dans la péninsule arabique. Puisque l'argument des adorateurs d'idoles n'est pas le même argument que le juif ou le chrétien qui lui défend autre chose, comme le fait que Isa est le fils d'Allah, ou comme le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, etc. Donc il doit se préparer à d'autres ambiguïtés. C'est pour ça qu'il l'a préparé. Tu te diriges vers des gens du livre pour attirer son attention sur ça. Donc on referme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ فِي ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. Donc il leur a dit que à Mu'ad radiallahu anhu, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, c'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré autre qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé 5 prières de jour et de nuit. Donc il a fait de l'enseignement de la prière une étape qui suit l'étape de l'enseignement du tawhid et qui ne va être faite qu'après que le tawhid ait été accepté et assimilé par ces gens. Et ça, c'est également montré par une autre riwaya, une autre version du hadith dit qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an yuwahhidu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah, que la première chose à laquelle tu les appelles c'est qu'ils adorent Allah seul, yuwahhidu Allah, c'est-à-dire le verbe qui vient du mot du masdar at-tawhid, le fait d'adorer Allah seul. Donc il a bien montré à son envoyé et à ceux qui allaient hériter de lui que la première chose à laquelle il devait appeler c'était ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dont on parle aujourd'hui. Donc une fois qu'on a répondu à la première question, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et qu'on en a montré les preuves et aussi l'importance, on passe à la deuxième question. Qu'est-ce que c'est l'ibad? Tu nous as dit le droit d'Allah c'est l'ibad. Qu'est-ce que c'est que l'ibad? Pour cette réponse, là on va rentrer dans un livre de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, expliqué par Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah, qui s'appelle Al-Jami' li'ibadatillahi wahda. Donc ensemble on va faire seulement une quinzaine de pages inshallah. Donc il dit قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده قلت طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Donc là par contre l'arabe, je me suis fixé de ce qu'il y a dans le livre et directement je traduis en français, parce que si je lis le livre plus je parle en arabe plus en français, on va faire deux pages, alors que je vous l'arabe c'est dans le livre et les explications elles sont, ou la traduction plutôt, en français. Donc Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit, si on te demande, ou si on demande, qu'est-ce qui regroupe l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quelle est la définition, et pour qu'on comprenne. Donc il dit, je dis, c'est l'obéissance à Allah en appliquant ses ordres et en s'écartant de ses interdits. Donc Cheikh Al-Fawzan rahimahullah a dit à propos de ce passage, قال حفظه الله فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les êtres humains pour qu'ils l'adorent, comme il est dit dans le verset, donc dans sourate Al-Dhariyat, le verset 56, pour ceux qui prennent des notes. Je n'ai créé les djinns et les humains
que pour qu'il m'adore. بل إنه سبحانه خلق الملائكة أيضا لعبادته كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Donc il dit, il a même créé les anges aussi pour qu'ils l'adorent, comme il est dit dans ce verset, dans la sourate Al-Anbiya, le verset 19. Donc il dit, ceux qui sont auprès de lui ne sont pas orgueilleux vis-à-vis du fait de l'adorer, et ils ne se lassent pas, et ils clament sa pureté, yusabbihun, c'est-à-dire ils clament la pureté d'Allah de nuit et de jour sans jamais s'arrêter. Donc même les anges. والعبادة مأخوذة من التعبد وهو التذلل. Il dit le mot ibada, l'adoration, ça vient de التعبد, qui veut dire التذلل, le fait de s'humilier devant quelque chose, de se rabaisser, de se soumettre devant une chose. يقال طريق معبد إذا ذللته الأقدام أو ذللته الأقدام. هذا من ناحية اللغة. Il dit dans la langue arabe, on dit par exemple طريق معبد. On dit d'un chemin, tariqun, un chemin mu'abbad, c'est-à-dire qui a été beaucoup piétiné et aplati par les pieds des passants. Donc c'est comme s'il avait été rabaissé, humilié par les pieds de ceux qui sont passés dessus. وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَعَرَّفَهَا الْعُلَمَاءُ تَعَارِيفَ كَثِيرًا. Quant à sa compréhension dans la religion du mot ibadah, il dit les savants lui ont donné beaucoup de définitions. التعريف الأول أنها غاية الحب مع غاية الذل. Il dit la première définition qui sera citée, c'est que l'adoration, c'est l'extrême amour avec l'extrême humilité, ou même le fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'amour extrême avec en même temps la soumission et l'humilité extrême. Il dit كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Donc il cite des vers de poème dans la Nouniya d'Ibn al-Qayyim rahimahullah quand il a dit « L'adoration du miséricordieux, c'est le fait de l'aimer au plus haut point, rayatu hubbihi, avec le fait de s'humilier, et voici deux piliers, c'est-à-dire ce sont les deux piliers de l'adoration. Et c'est autour de cela que tourne l'adoration, et elle ne sera pas bonne jusqu'à ce que ces deux piliers soient debout. » مدارت القطبان أو حتى قامت القطبان. Ensuite il dit et elle tourne également autour de l'ordre du prophète, pas autour des passions ni de l'âme humaine ni du diable. Donc en fait qu'est-ce qu'on retire de ces vers, c'est qu'il dit que les deux pôles de la ibada, essayez de vous rapprocher barakallahu fikum, c'est que les deux pôles de l'adoration, c'est l'amour extrême et l'humilité ou la soumission extrême, c'est-à-dire le plus haut point dans l'amour et le plus haut point dans l'humilité et la soumission. Donc le shir continue en disant فلا بد من الجمع بين الأمرين غاية الحب مع غاية الذل فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن ذلك عبادة له. Il dit il faut les deux en même temps. Si quelqu'un par exemple aime une chose mais ne s'humilie pas et ne se soumet pas à cette chose, il n'est pas considéré comme l'adorant. كما يحب الإنسان زوجته ويحب أولاده لكنه لا يذل له. Il dit par exemple, l'être humain aime sa femme, aime ses enfants, mais il ne se soumet pas à eux et il ne s'humilie pas devant eux. فحب الزوج لزوجته وحبه لأولاده وحب الولد لأبويه وأقاربه لا يسمى عبادة. Donc l'amour de ces gens entre eux, de l'homme pour sa femme, ou des proches les uns envers les autres, ou envers ses enfants, on n'appelle pas ça l'ibad, à l'adoration, parce qu'il n'y a pas de soumission ni d'humiliation dedans. Il n'y a pas le dhul. Il y a le hub, mais il n'y a pas le dhul. وكذلك من ذل لشيء ولم يحبه فليس ذلك عبادة له كمن ذل لجبار من الجبابرة أو لظالم من الظلمة لكنه لا يحبه
فهذا ليس بعبادة. De la même façon, celui qui s'humilie devant quelque chose, mais qui ne l'aime pas, ça ne sera pas considéré comme une adoration. Par exemple, celui qui va s'humilier et se rabaisser devant un tyran parmi les tyrans, mais au fond de lui, il ne l'aime pas. Eh bien, son acte n'est pas une adoration. Ça, ce n'est pas de l'adoration. إنما العبادة ما جمعت بين الأمرين غاية الحب مع غاية الذل وهذا لا يكون إلا لله. Donc il dit l'adoration c'est celle qui regroupe les deux, le plus haut point de l'amour et le plus haut point de l'humilité et de la soumission, et ceci ne convient que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ne doit être voué qu'à Allah azza wa jal. ولابد أن تدور عليهما أفلاك العبادة بجميع أنواعها ولهذا قال وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. Donc là il répète ce qu'il a déjà dit. يعني على الأصلين الحب والذل. فإنسان يقتصر على الحب والذل من غير أن يفعل ما أمر الله به وأن يترك ما نهى الله عنه لا يعتبر عابدا لله. Il dit également, un être humain qui se contenterait d'aimer Allah et de s'humilier à Allah, de sentir l'humiliation devant Allah et la soumission, mais qu'il ne ferait pas, il n'appliquerait pas ce qu'Allah a ordonné, et également il ne délaisse pas ce qu'Allah a interdit, celui-là il n'est pas considéré comme un adorateur d'Allah, comme adorant Allah. فغاية الحب مع غاية الذل يقتضيان امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه وبهذا تتحقق العبادة. Car le fait d'aimer Allah au plus haut point et de se soumettre à lui au plus haut point implique de faire ce qu'il a ordonné et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Sinon, ce n'est pas une ibada. Forcément, celui qui va avoir ce principe qui est l'amour au plus haut point et l'humiliation devant Allah au plus haut point, ça va l'emmener et impliquer chez lui qu'il fasse ce qu'Allah a ordonné et qu'il délaisse ce qu'Allah a interdit. Et c'est ainsi, le cheikh dit, que se concrétise et se réalise l'adoration. En fait, cette première définition par rapport à celle qui va venir après, c'est un peu la définition du principe de l'adoration, c'est-à-dire l'adoration en tant que principe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ensuite il passe à une autre définition et il dit وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف شامل دقيق. Il dit شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله lui a donné une définition qui englobe tout et qui est très précise. فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Donc il dit العبادة c'est un mot qui englobe, concentrez-vous, ça sert à rien de regarder les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme acte et comme parole apparente ou cachée. Donc, c'est-à-dire ce qu'Allah veut de nous et aime que l'on dise ou que l'on fasse, et également que l'on dise ou que l'on fasse par nos cœurs. وله رسالة في هذا جيدة اسمها العبودية ذكر فيها هذا التعريف وذكر أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. Il dit à ce sujet, Ibn Taymiyyah rahimahullah a un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya, dans lequel il a mentionné cette définition et il a mentionné plusieurs catégories d'adoration qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné dans son livre ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans sa sunna. Wa shaykh huna yaqul fa in qil ya'ni law su'ilta mal jami'u li ibadati Allah ay ma huwa at-ta'rif al-jami'u li ibadati Allah bi ikhtisar. Donc il dit ici, quand Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a dit, si on dit, c'est-à-dire si on te pose la question, mal jami'u li ibadati Allah, c'est-à-dire quelle est la définition globale et résumée, c'est-à-dire qui suffit et qui englobe tout ce qu'il y a à dire à propos du mot ibadah, l'adoration. فَإِنَّكَ تَقُولْ طَاعَتُهُ بِمْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ وَنَوَاهِهِ. Il dit alors, tu réponds, c'est de lui obéir en faisant ce qu'il a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit.
Donc voilà la réponse du cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab dans le livre de base qui est expliqué ici. Ensuite, Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit: فَإِنْ قِيلْ فَمَا أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ أَلَّتِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى. Donc ici, voilà quelque chose qui va nous concerner plus directement. Une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est que l'adoration, qu'est-ce que c'est que ce principe qu'on appelle l'adoration, ce qui est important maintenant, c'est de savoir quels sont ces actes et ces paroles qui consistent et qui composent l'adoration et qu'on ne doit vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, pour savoir quels sont ces actes qui ne doivent être dirigés qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va avoir une réponse et qui va être utile dans la pratique. Donc c'est pour ça, après il a dit dans le livre de base, si on te demande, si on dit quelles sont les catégories d'adoration qui ne conviennent qu'à Allah, c'est-à-dire qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Al-Fawzan rahimahullah explique en disant, d'ailleurs pour la parenthèse, il ne faut pas dire, souvent on fait des erreurs quand on dit cheikh Fawzan. Fawzan, c'est un prénom. Si tu dis cheikh Fawzan, ça veut dire qu'il s'appelle Fawzan, et il ne s'appelle pas Fawzan, il s'appelle Salih Al-Fawzan. Al-Fawzan, c'est comme un nom entre guillemets de famille, donc on dit cheikh Al-Fawzan. Donc il dit Al-ibadatu anwa'un kathira كما قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فتكون ظاهرة على الجوارح كالصلاة والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك وهذه عبادات ظاهرة. Donc il dit, les adorations sont, ou l'adoration a beaucoup de sortes et de catégories différentes. C'est pour ça que Cheikh l'Islam rahimahullah a dit, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte apparent ou caché. Donc il dit par exemple l'adoration ou les adorations, ici on va parler des adorations, sous-entendu ces actes et ces paroles qui composent l'adoration ou qui manifestent l'adoration. Donc il dit, ça peut être des choses apparentes comme la prière, la salah, ou le jeûne, ou le djihad, ou le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ou le fait d'entretenir les liens de parenté, etc. Et il dit, ceci sont des adorations apparentes. والعبادات الباطنة تكون في القلوب من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والمحبة والتوكل والإنابة هذه كلها عبادات قلبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. Il dit, il y a aussi des adorations batina, c'est-à-dire cachées, qui se font par le cœur, comme la crainte, l'humilité, l'espoir, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance en Allah, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sont des adorations dont la place est le cœur et que seul Allah azza wa jal connaît. ومنها ما هو على اللسان مثل ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع. Il dit, et certaines vont se faire par la langue, comme la mention d'Allah, comme le tasbih, c'est-à-dire dire subhanallah, dire la ilaha illallah, dire alhamdulillah, la da'wa, appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, et aussi d'enseigner la science bénéfique. Tout ça, ce sont des adorations, mais qui se font avec la langue, avec la parole. Ensuite, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit: قُلْتُ وَمِنْ أَنْوَاعِهَا الدُّعَى. Donc là, il commence à énumérer les catégories d'adoration. Et il a dit, parmi les catégories d'adoration, il y a الدُّعَى, l'invocation. Donc le cheikh commente en disant: أنواع العبادة كثيرة وأعظمها الدعاء. Donc il y a beaucoup de sortes d'adoration, mais la plus grande c'est la دعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc il cite ce verset dans la sourate Ghafir, le verset 60. Votre Seigneur a dit: invoquez-moi, ادعوني, et je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration rentreront bientôt en enfer humiliés. Amara Allah bi du'a'ihi wa samma dhalika ibadatan. Donc Allah dans son verset a ordonné de l'invoquer
Et il a appelé l'invocation ibadah, puisqu'il a dit invoquez-moi, et ensuite il a dit ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration, ce qui montre que l'invocation est une adoration. فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Et le prophète a dit صلى الله عليه وسلم l'invocation c'est l'adoration. الدعاء هو العبادة. Donc ce hadith il est rapporté notamment par al-Tirmidhi رحمه الله. فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة فمن دعا غير الله من الموتى والمقبورين والجن والشياطين فقد أشرك بالله الشرك الأكبر قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. Donc la plus grande adoration c'est الدعاء. Donc celui qui va invoquer, donc faire cette dua pour autre qu'Allah, que ce soit envers des morts, des gens qui sont enterrés, ou envers des djinns et des démons, celui-là il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala la grande association, Al-Shirkul Akbar. Et Allah Azza wa Jalla a dit les mosquées sont à Allah, donc n'invoquez personne avec Allah. Fala tad'u ma Allahi ahada. Donc on observe ici ahadan c'est nakira, donc c'est indéfini, et donc c'est nakira fi siyaq an-nahi. Fala tad'u ma Allahi ahada, n'invoquez personne avec Allah. Ce qui veut dire que cela englobe quiconque, que ce soit un prophète, un ange, un djinn, un roi, un être humain ou qui que ce soit. Nul ne doit être invoqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu fad'u Allah mukhlisin lahu ad-din. Il cite également ce verset dans la sourate Ghafir, le verset 14. Fad'u Allah, invoquez Allah. Mukhlisina lahu ad-din, c'est-à-dire en lui vouant exclusivement le culte ou la religion. Mukhlisin qui vient du verbe akhlasa, c'est-à-dire purifier quelque chose. Donc ici, en purifiant votre religion pour lui, c'est-à-dire en la vouant exclusivement à lui. Mukhlisin, donc le shir dit mukhlisina lahu fi ad-du'a, c'est-à-dire en lui vouant exclusivement et en étant monothéiste dans la du'a. فسمى الدعاء دينا كما سماه في الأخرى عبادة. Donc Allah a appelé la dua ici din, religion, alors que dans l'autre verset il l'a également appelé عبادة, adoration. إذن فالدعاء دين والدعاء عبادة لله عز وجل وهذا مما يدل على عظم الدعاء وأنه لا يجوز أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى فإنه هو القادر على كل شيء وهو الذي إذا دعوته فإنه يقدر على إجابتك ويقدر على إعطائك ما تريد أما غير الله فإنه عاجز. Donc il dit tout ceci montre l'immensité, l'importance de la dua, et que c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que donc on ne peut pas vouer cette dua à autre qu'Allah, et qu'il est interdit d'invoquer autre qu'Allah puisque c'est une adoration. Donc voyez le raisonnement depuis le début du cours. Le droit d'Allah c'est l'adoration, ce qui veut dire que l'adoration ne peut pas être vouée à autre que lui. Si on la voue à autre que lui, donc on a associé dans ce qui est son droit exclusif, on a commis du shirk. Or la dua c'est une adoration, donc celui qui fait la dua à autre qu'Allah a commis du shirk. Voilà comment démontrer que le fait de faire dua à autre qu'Allah c'est du shirk. Il dit car Allah c'est lui qui est capable de toute chose, qui a capacité sur toute chose, et c'est lui qui va te répondre et te donner ce que tu veux si tu lui demandes, alors que autre qu'Allah en est incapable. كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. Donc il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré, c'est-à-dire il a montré dans ce verset la nullité et l'incapacité de ce qui est invoqué en dehors d'Allah. Donc ça fait partie de l'asalib, c'est-à-dire les moyens par lesquels le Coran montre le monothéisme. C'est-à-dire que le Coran n'a pas simplement dit adorer Allah seul et n'invoquer pas autre qu'Allah. Il a également ramené tous les arguments nécessaires et suffisants
pour montrer la véracité de ce principe, c'est-à-dire du fait de vouer à l'adoration à Allah seulement et de ne pas la vouer à autre qu'Allah. Et parmi ces arguments, le fait de montrer la nullité de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, c'est-à-dire montrer qu'ils sont incapables, ils ne détiennent rien. Parce que forcément, celui qui adore quelque chose et qu'il l'invoque, c'est parce qu'il en attend quelque chose en retour. Il ne va pas l'invoquer s'il pense qu'il ne va rien lui donner. Donc si on arrive à leur montrer que leur divinité ne possède rien et ne peuvent pas répondre, ça montrera la nullité de leur pratique, de leur shirk. Et c'est ce qu'on va trouver dans beaucoup de versets. Et si vous lisez attentivement Kitab al-Tawhid, vous trouverez que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il a mis plusieurs chapitres à la suite dans ce sens. Quand par exemple il a mis le chapitre où il a mis le verset Innaka la tahdi man ahbabt, tu ne guides pas qui tu aimes, c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne détient pas la guidée. Quand il a mis le hadith pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été blessé le jour de Uhud, c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas repousser le mal de lui-même, alors encore moins de quelqu'un d'autre. Ensuite, dans un autre chapitre, il a mis le hadith qui montre que les anges, lorsqu'ils entendent la révélation d'Allah, yafza'oun, hein, ils sont évanouis et ils sont pétrifiés, pour montrer qu'eux-mêmes ne détiennent rien et eux-mêmes craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ne détiennent ni guidée, ni pardon, ni guérison, ni subsistance, ni rien. Donc c'est une des sagesses dans ces chapitres, montrer la nullité qu'il y a dans le fait d'adorer autre qu'Allah puisqu'ils ne détiennent rien. Donc là il cite un verset dans ce sens. Le verset dit, donc dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah, ils ne détiennent pas le poids d'un grain, ni dans les cieux, ni sur terre. Ça c'est la première chose, ils ne possèdent pas. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ, et ils n'ont pas non plus d'association avec Allah dans les cieux et la terre. Donc ni ils ne possèdent, ni ils ne sont associés dans la possession de quoi que ce soit. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِرِ, et Allah n'a pas parmi eux de soutien, c'est-à-dire comme un ministre ou quelqu'un qui le soutient. Donc ici ça montre clairement la nullité. Il resterait, surtout pour les koufars de Quraysh, s'ils avaient entendu ce verset, ou ceux qui pratiquent la même religion qu'eux, la même adoration qu'eux, envers des morts, etc., de dire oui, mais nous ne demandons pas de ces morts, ni enfants, ni guérison, ni pluie, ni subsistance. Et n'est-ce pas que ceci était la situation des koufars de Quraysh? Ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui donne les enfants, qui guérit, qui fait tomber la pluie, qui donne la subsistance, qui fait vivre et qui fait mourir. Ça, ils le savaient. Et ils n'adoraient pas leur divinité pour cela. Alors là, on pose la question. S'ils n'adoraient pas leur divinité pour ça, alors pourquoi ils les adoraient? Et là, on trouve la réponse claire dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ceux qui ont pris en dehors d'Allah des awliya, c'est-à-dire des choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent en degré auprès d'Allah. Voilà la seule chose que les koufars de Quraysh attendaient de leur divinité. Et comment on appelle ceci? Al-Shafa'a. Donc Allah Azza wa Jal a dit tout de suite après وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, et l'intercession n'est utile auprès de lui que pour celui à qui il la permet, pour montrer comme il l'a dit dans un autre verset قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, dit à Allah et l'intercession tout entière. لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ, le fait qu'ils mettent l'illah en premier, qu'est-ce que ça implique? Ça implique ce qu'on appelle al-hasr, al-tawhid. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait dit à Allah seul appartient al-shafa'a. Donc même al-shafa'a, personne ne la détient en dehors d'Allah. Donc le résultat, quel est-il? C'est qu'il est complètement nul et vain d'adorer autre qu'Allah, puisqu'il ne possède aucun besoin parmi le besoin que tu peux demander. Ni la pluie,
ni la guérison, ni les enfants, ni la subsistance, et même ni al-shafa'a, ni l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, essayez de vous rapprocher. Barakallahu fikoum. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Un autre verset dans le même sens où Allah dit: qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah celui qui ne lui répondra pas jusqu'au jour du jugement? C'est-à-dire, qui est plus égaré qu'une personne qui va invoquer quelque chose, ou un mort, ou une personne sachant qu'elle ne lui répondra pas jusqu'au jour du jugement? Et en plus, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, et ils sont insouciants vis-à-vis de leurs invocations, c'est-à-dire ils n'ont même pas conscience qu'ils sont invoqués, et ils n'ont pas l'information qu'ils sont invoqués, les invocations ne leur parviennent même pas. Et même si elles leur parvenaient, comme il est dit dans un autre verset, وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, et même s'ils entendaient, ils ne vous répondraient pas. لِأَنَّهُمْ أَمْوَاتٌ أَوْ جَمَادَاتٌ لَا تَسْمَعُوا الدُّعَاءَ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا مَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْإِجَابَةِ لِأَنَّهُمْ فُقَرَاءُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Donc il dit, parce que ce sont des morts ou ce sont des objets qui n'entendent pas l'invocation. Et Allah dit, et s'ils avaient entendu, ils n'auraient pas répondu, car ils n'ont pas la capacité à répondre, car ils sont fuqara, c'est-à-dire eux-mêmes ils sont pauvres et en besoin, ils ne possèdent rien, même le poids d'un grain, ni dans les cieux ni sur terre. فكيف يدعون مع الله بل كيف يترك دعاء الله ويصرف الدعاء لغير الله من هؤلاء الأموات والأشجار والأحجار والغائبين أين عقول بني آدم تدعو أناسا لا يسمعون ولو أنهم سمعوا لم يقدروا على الإجابة لأنهم لا يملكون شيئا. Il dit donc, comment délaisser le fait d'invoquer Allah et vouer l'invocation et les prières à des morts, des arbres, des pierres et des absents? Où sont les raisons des êtres humains qui invoquent des gens qui ne les entendent pas et qui, même s'ils les entendaient, ne peuvent pas leur répondre, car ils ne possèdent rien? Donc ça, c'est en ce qui concerne Ad-Dua. On va s'arrêter là, parce que je préfère pas rentrer dans le point suivant, parce qu'on va devoir s'arrêter. Le point suivant, c'est Al-Isti'ana. Donc on verra dans la deuxième partie, on continue sur plusieurs, sur différentes ibadat, on va prendre les plus importantes, et pour montrer à travers l'épreuve du Coran et de la Sunna que ce sont des adorations qui ne doivent être vouées que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.